Bonjour à toutes et à tous. Voici sur cette map créative, nous allons faire un petit tuto. Ce sera le premier de cette chaîne. Donc nous allons faire un petit tuto sur tout simplement une grue. Tout simple, mais un peu complexe dans le système de montage. Donc voilà la grue au final, ce que ça m'a fait. Donc c'est parti. Nous allons la faire ici. Pour commencer, nous allons faire un carré en espèce de 3 à chaque fois. Voilà. Nous allons suivre ça jusqu'à la hauteur que vous voulez faire votre grue. Moi, je vais m'arrêter ici. Donc, oh, j'ai un petit problème ce soir. Tac. Maintenant, nous allons partir comme ça. Nous allons faire des croisés. Tac. Hop. Et voilà, ce côté-là va être fini déjà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très rapide à faire. C'est très simple. Hop, maintenant nous allons faire pareil de l'autre côté. Hop. Maintenant, nous allons commencer comme ça. Si nous allons commencer là, comme ça. Deux pour la petite erreur. Hop là, voilà. Maintenant, il nous aura plus deux à faire. Tac. Hop, maintenant, nous allons partir de là. C'est bien pour les débutants qui ne savent pas quoi faire dans leur serveur. C'est toujours original de voir une map comme ça en travaux. Comme dans la vie réelle, un peu. Donc voilà mes chers amis, tout ça est fini, nous allons faire comme ça, tac, partout, n'essayez pas de fermer. Hop là, donc maintenant nous allons passer à ça, faites un sol couvert.
pouvez aller choisir n'importe quel bloc après. Moi, je fais ça. Hop, tout ça pour faire l'échelle. Je vais chercher l'échelle. Pour pouvoir accéder à la cabine de pilotage. Hop là. Et cette étape est finie. Voilà. Donc encore très simple à faire, à réaliser. Donc même pour les débutants, easy à faire. Hop. Nous allons faire la cabine. Bah, après, vous pouvez faire cette cabine de pilotage où vous le voulez. Pardon. Autour de cette tour qui est très simple aussi à réaliser, très basique, rien de difficile. Moi je vais la faire ici. Je vais aller chercher des blocs qu'il me faut, prendre des blocs de quartz. Hop. En guise de fauteuil, bah, tout bête, hein. Un escalier. En guide de manette, on va mettre ça. Et en fenêtre, on va mettre en vitre, on va mettre ça. Tac. Sur le côté, nous allons mettre du verre gris. Mais allô? Merci. Donc. Pensez à la petite porte, hein. tout bête aussi, petit détail à mettre. Donc, nous allons mettre une porte en fer. Hop. Et dans ce sens là. Oh non, dans ce sens là, c'est bon. Donc. Puis, on va finir par refermer. Après, vous pouvez donner la forme que vous voulez à la cabane. Moi, je la donne comme ça, je la trouve plutôt originale. Donc, voilà, ça c'est fait. Puis, même si vous voulez, vous pouvez peut-être mettre un bouton. Hop là. Carrière. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer à la partie de la potence. Donc moi, je vais prendre des blocs bleus, comme j'en ai déjà fait une rouge, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Tac. Je
projet un peu abusé sur la longueur. Après, c'est pareil, vous pouvez faire à la longueur enfin, que vous le souhaitez. Donner la forme à la potence. Voilà. Moi j'en mets un tous les trois, comme ça de l'autre côté je vais pouvoir en mettre un aussi. Au quatrième tout le temps. C'est la partie un peu plus ennuyeuse à faire. Sinon tout le reste. Donc voilà. Maintenant, nous pouvons faire l'arrière du... Après, c'est pareil, l'arrière, vous pouvez la faire de la forme que vous voulez. Pour faire le poids qui envoie sur le truc, je vais remplacer par des dalles que vous allez rassembler. Voilà, donc cela est fait. Vous pouvez rajouter des détails. Hein. Maintenant, on va mettre ça. Bon, moi je vais faire mon goût. Après, comme je vous ai déjà fait voir la construction, ici je me suis trompé, je mets des câbles de 1 bloc, donc désolé, je me suis trompé de bouton, du coup ben, j'ai retourné mon écran d'ordinateur, rien de grave, pas de souci. Nous finissons cela. Cette étape est finie. Donc, pour finir,
pour faire pour le fil. Bon, moi je mets des barrières pour pas se casser la tête. Et après, vous pouvez mettre des blocs que vous voulez de n'importe quel. Moi, je vais mettre des blocs en fer pour faire le matériau que je transporte. Et hop. Moi, je trouve qu'elle a belle gueule. Donc après vous pouvez rajouter des petites modifications à votre guise, mais le gros il fait de la grue. Moi je trouve ça joli. Donc après pour faire le toit au sol, rajouter ça autour. J'aurais dû mettre des blocs directement, mais j'ai pris la tête à mettre plus tard. Je vous conseille de mettre des blocs, ça ira beaucoup plus vite. Tac, je vais prendre des blocs moi. Bloc de pierre. Bon bref, je ne les trouve plus. Je continue comme ça ne me dérange pas. C'est juste un peu plus long. Donc voilà. Puis après, vous pouvez rajouter des petites décorations. Vous pouvez aussi ajouter cela. Des bannières. Voilà, donc voilà la grue qui est faite très rapidement. Donc maintenant je vais vous faire visiter un peu ce qu'on a fait. Donc là j'ai voulu faire une grue pour faire ambiance, construction. Donc ici un bâtiment en cours de construction. C'est pour cela que j'ai mis des blocs de fer accrochés, des murs en briques. C'est pour ça que j'ai mis un mur en briques à accrocher. J'ai fait une petite cabane de chantier, très simple à faire aussi. Donc, tac, je vais mettre un bouton. Ici, ici. Et après, pour monter ici, hop là, vous voyez, très simple.
maintenant nous allons prendre Dédale. Voilà, la table est faite. Très rapide. On va faire une petite lampe. Moi, j'aime bien faire des lampes de cette façon. Donc, non, il n'y aura pas de lampe. Donc, merci pour ce tuto. Au revoir et à bientôt.